Samedi 4 juin, depuis la plage du Mourillon à Toulon, se tient l'édition 2022 de la chanson de l'année, présentée par Nikos Aliagas et retransmise sur TF1. Cette soirée doit venir récompenser les artistes qui ont le plus marqué la chanson française cette année. Le public est invité à choisir entre les 13 titres nommés et le vainqueur succédera à JV, interprété par Florent Pagny et Patrick Fleury, élu chanson de l'année 2021. Parmi les nommés, on retrouve Amir avec son titre Rétine qu'il est venu défendre sur scène. Lors de sa performance, il a été rejoint par sa femme Lital, avec qui il a partagé la scène le temps d'une chanson. Un beau moment. Il y a quelques années, Amir révélait qu'il rêvait d'avoir des enfants. En avoir 5 ou 6, mais Lital est plus raisonnable que moi. Un vœu qui s'est finalement réalisé en 2019 avec la naissance du premier petit garçon du couple, Michael. Depuis, si le couple s'est préservé sa vie privée, la jeune maman, décoratrice d'intérieur, ne se cache pas et partage parfois leur quotidien sur les réseaux sociaux, comme leurs vacances au soleil ou encore leurs fêtes d'anniversaire.